Bonjour tous les chéris de partout, partout, partout. Alors aujourd'hui nous sommes au Portugal. Tu n'as pas vu la route parce que pour l'instant ça n'a pas été mis en ligne. Par contre, je te montre notre campement. Alors c'est du campement à moitié sauvage, je dirais, parce que c'est autorisé. Je te montre l'étape sur Park Fortnite. Voilà, nous on s'est mis en L, on s'est installé, on fait nos petites affaires, notre linge. Tout le monde s'installe un petit peu partout. Tous les jours, il y a une personne qui vient pour les toilettes. Les toilettes sont là-haut, un petit peu plus haut. Il y a vidange aussi, tout est gratuit. Alors par contre, sur Park Fortnite, il est mentionné qu'on peut se brancher à la sauvage. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre mot au niveau de l'électricité, oui effectivement, mais c'est bien vu quand même par ici de se brancher pour recharger un peu ordinateur, téléphone, mais pas de brancher le camping-car, quoi. Ça c'est pas mal. Et sinon, nous avons vu qu'il y avait quelqu'un qui vient tous les jours pour vendre le nécessaire, basique. Alors il y a un vent terrible, j'espère qu'il n'entend pas trop. Parce que je voulais te faire voir un peu comment on est installé. On est super bien. Christa s'est occupée de son linge, moi je me suis occupée du mien. On s'est mis plein de choses par terre et par-dessus du poids parce qu'il y a tellement de vent, sinon ça va tout envoler. Voilà la Miss Christa. Coucou. T'es contente d'être au Portugal? Oh oui, je redécouvre le Portugal. Et moi je découvre, tout simplement, je suis super contente. Et c'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi bien qu'il y a 30 ans quand j'étais venue ici la première fois. Ça fait même plus que 30 ans. Bon, tu nous en reparleras dans une autre vidéo. Oui, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que vraiment, notre globe-trotteur international a toujours plein d'aventures. Oh oui. Mais j'insiste quand même, si vous venez, bon, c'est vrai que vu les toilettes, vu comme on est traité ici, on est quand même bien chouchouté, n'utilisez pas le branchement électrique directement au camping-car. Je trouve que ça la fout mal et puis de toute façon, vous vous feriez vider, tout simplement. Moi, pour l'instant, j'ai du soleil, je vais m'en contenter pour l'ordinateur et pour le bazar. Après, on verra. Ah oui, je tenais, attends, je ne vais pas te donner le tournis, voilà, je tiens quand même à remercier beaucoup, beaucoup toutes les personnes qui participent à notre chaîne d'une façon active, bien sûr les abonnés, et puis les personnes qui tous les mois sont sur Tipeee, nous encouragent par leurs dons mensuels, donc vraiment merci à vous tous. C'est vrai qu'on oublie avec Christa de vous remercier, les personnes qui passent sur Tipeee, nous faire des cadeaux de participation pour la chaîne, de notre travail, de notre activité. Donc, je le dis, merci, merci à vous. Ça fait toujours super, super plaisir. Tu as quelque chose à rajouter, Christa? Non, tout va bien. Merci. Et toi, Cassie, tu as quelque chose à rajouter? Non. Voilà. Elle part se promener. Je donne des nouvelles de Cassie parce que sinon après il y en a qui se font du souci. Cassie va très bien. Et Christa est en train de faire du rangement, du Tetris comme d'habitude. Le jeu préféré de tous les camping-caristes. Allez, bye bye les chéris.